est amoureux. Psst, Tom, on est là. Hein? Salut, Tommy. Hein? Cafard m'a convaincu de pas te laisser tomber. De pas me laisser, moi, Tommy, tomber. Cool, je... Ok, on se calme. C'est pour mon cousin surtout. Il n'y a pas marqué SOS Minus là. Prêt pour l'entraînement? C'est quand même pas difficile. Faut être pire qu'elle. Elle crie, tu cries plus fort. Elle tire les cheveux, tu les lui coupes. Elle te pique ta tablette, tu lui casses l'assiette. Et surtout, toujours dire non à tout ce qu'elle demande. Trop fort! Merci, Maëlle. L'alien va comprendre sa douleur. Oh, Aura, je savais pas que tu passerais, ça va? Oula, Microbe, à quoi tu joues, là? Je récupère mon argent. Les taxes sur les chaussettes, ça n'existe pas. Ça t'ennuie pas si papa trouve son téléphone tout cassé au fond de ton tiroir à chaussettes? Ben si. Que maman réalise que la cape de Capitaine Courgette a été découpée dans son manteau? Ben quand même. Ok, donc tu remets ma jolie tirelire sur l'étagère et vite fait. Tout de suite. Et tu dégages. Oui. Je comprends pas, j'étais déterminée pourtant. Ben c'est pas gagné. Bon, on dirait que je suis Nina. Ok, alors c'est Nina qui décide. Ben souvent oui. Non, c'est toi. Tu veux bien m'apporter la chaise longue là-bas? Stop. Qu'est-ce que tu fais? Ben tu m'as dit. C'est comme si j'étais Nina, arrête d'obéir, c'est ça que je te dis, Andouille. Mais c'est pas facile aussi, t'es pas Nina et t'es... Enfin, tu vois, t'es pas pareil, quoi. Je reviens tout de suite, j'ai trop besoin de faire pipi. Bon, ben, j'espère qu'il va pas être trop long. Bah oui, vu que du coup, on est tout seuls, tous les deux. Bon, tu dois me résister. Hyper pas facile. Comment faut que je te parle? Que je te dise que t'es minable, ridicule? Que tout le monde se moque de toi? Sauf que c'est toi. Non, je suis Nina. Défends-toi. Ok, tu exagères quand même. Excusez-moi, je peux vous aider peut-être? Allez, je fais Maëlle. Alors Minus, tu sais pas la remettre à ta place, ta sœur, elle est trop forte pour toi. Te laisse pas faire, vas-y, réponds-lui. Ça va, lâche-moi, l'alien, j'ai pas besoin de tes conseils. Mais non, pas à moi, à elle. T'es bête ou quoi? Tu me fais super bien, en fait. Arrête, Nina, fiche-nous la paix. Alors, ça avance? Tu parles, il est trop gentil. T'as pas encore compris? Il lui manque une pièce en haut, y'a rien à faire. Et toi, tu dis rien? Dégage, l'alien, ou je te pulvérise et je te renvoie sur ta planète en petits morceaux. Comme ça, ça va? Mais arrête de me regarder, parle-lui direct. C'est décourageant. Voilà, Morbelle, tu vas découvrir le champion du monde le plus stupide. Attends, Maëlle, on réessaie. Appelle-moi Microbe, ça va m'aider. Alors, Microbe, on a peur de devenir un homme, de montrer ses muscles? T'es un capitaine rikiki, c'est ça? C'est à moi que tu parles, l'alien! Ouais, un Microbe rikiki qui sait même pas! Non mais c'est faux, fallait me laisser m'étaler! Bon, j'abandonne. Mais je voulais pas! Attends, c'est pas fini ici! Pour moi, si, c'est peine perdue. Abandonne l'alien. Maëlle, tu vas où? Maëlle est passée, je lui ai dit que t'étais malade et contagieux, du coup elle est partie. C'est mieux pour toi, Microbe. Hein? Mais pourquoi t'as fait ça? Sors de ma chambre, l'alien, je veux plus te voir, jamais. Bon, bah alors la lettre qu'elle m'a donnée pour toi, je vais la garder. Donne-moi ça et va-t'en, laisse-moi tranquille. Tu dois te demander pourquoi je t'écris alors que je pourrais te parler.
C'est parce que j'ose pas te dire tout ce que je ressens pour toi. Tu es beau, sensible et pas stupide du tout. C'est les meilleures vacances de ma vie. Bisous, Maëlle. PS. T'as rêvé que c'était Morvel, pas vrai? Quel crétin! Je vais t'exploser, l'alien! Oh. Qu'est-ce que tu regardes, Microbe? Les arbres qui poussent? Maëlle est partie fâchée à cause de toi et j'ai même pas pu lui dire au revoir. Mais c'est génial, elle te lâche un peu. Tu vas pouvoir rester avec moi, je vais pouvoir t'énerver, t'empêcher de jouer, tester plein de nouvelles idées de punition. On va s'éclater. Égoïste. Ça va pas? Non, ça va pas. Pourquoi? T'as enfin compris que t'étais stupide, idiot et petit? Nigo lourdeau en douille, tu réalises comme t'es grotesque? Non. Eh ben alors, tout va bien! Capitaine, courage, ne crains rien ni personne! Dégage, Microbe, il y a une émission sur Lover Move qui commence. Peut-être avec toi. Microbe, réagis! Tu vas pas rester un zombie toute ta vie. Elle est partie, elle est partie. Allez, viens, on va se faire des belles tartines de confiture. Bon, d'accord, pour te faire plaisir, je me laisse punir. Profites-en. Allez, j'avoue, je suis une alien et je vais envahir la Terre. Va prévenir la police. Tu l'auras voulu. Je vais te serrer dans mes bras et te faire plein de bisous. Bon, voilà le topo. Papa est en train de terminer les comptes de la maison. Voici l'arme du crime. Je suis capable de tout pour retrouver mon microbe chéri. Ah! C'est bien plus joli comme ça, tes factures, hein, papounet? Tom Penny! Hein? Mais non, papa, c'est moi, regarde! C'est sympa de vouloir protéger ton frère, Nina. Tom, dans ta chambre! Maman, fais quelque chose! Mon petit chat, je t'ai fait couler un bain. Oh, merci, mon chéri, tu lis dans mes pensées. Surtout, fais comme si j'étais pas là. Je te dépose juste un truc là et je m'en vais. Allô, allô? Écoute-moi bien, Microbe, ouvre bien tes oreilles. Ce que je vais faire, je ne le referai jamais. C'est Nina, faut que je te parle. Appelle ta cousine là, comment, Morvel. Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'as pas de maison? Je voulais te parler de Tom et de ce qui s'est passé. Pas pour... sympa, mais... je voulais juste te dire... je sais que t'es fâchée contre Tom à cause de moi. Faut pas lui en vouloir. C'est un garçon, tu vois le problème? Les garçons, ils ont surtout des problèmes à cause des filles comme toi, à mon avis. Et de toute façon, Tom, il est pas comme tout le monde. Mais si! Il s'intéresse qu'aux jeux vidéo et aux héros de l'espace débile. Il s'intéresse pas à toi, je vais te dire. C'est toujours mieux que de s'intéresser à ce débile de l'Overmove. Tu parles pas comme ça de l'Overmove. Oh, pardon, l'Overlose plutôt. Tu comprends rien, ma pauvre fille. T'as jamais compris Tom? Oui, eh ben explique-moi ce qu'il a de spécial, le microbe. J'aimerais bien savoir. Oh. Il est drôle, honnête, sensible. C'est un mec bien et ses proches ont bien de la chance. Et je sais pas comment il fait pour te supporter, t'es pas un cadeau. Attends, Maël. Et je te conseille de pas trop abuser parce qu'un jour il comprendra tout ce que je lui ai appris. Et ce jour-là, tu vas souffrir. J'arrive. Ouais, et ce jour-là, les poules auront des dents et les vaches des ailes. Cafard, tu prends soin de Tommy, Dac? Oui, t'inquiète. Je suis là, presque, presque et demi. Attends! Tu viens juste de la rater. Oh, c'est dommage, hein? Allez, Microbe, t'as qu'à lui parler, je lui ai laissé mon Tokiwoki. Encore une de tes sales blagues.
Ça te fait marrer de te moquer. Dégage. Bien répondu, Tommy. Mais c'est pas une blague. Maëlle, c'est toi? Pour de vrai? Bah ouais, ça fait plaisir de t'entendre. Ouh, j'avais peur qu'on se parle plus jamais de toute la vie. Mais non. Oh, t'es toujours aussi bête. Ah, au fait, un dernier truc. Il t'aime. Je vais te pulvériser, l'alien. Il t'aime, il t'aime. Il t'aime. Depuis que t'es venu le mois dernier, ma sœur arrête pas de m'embêter en disant qu'on est amoureux. Ben oui, c'est juste qu'on est potes, on aime bien être ensemble, voilà. Toi aussi, tu me manques. Non, toi. Toi la première. Bon, alors à trois. Un, deux, trois. Ah, c'est vrai. T'es pas amoureux du tout. Ah, tu vois.